amis, nous voici dans notre cathédrale Saint-François de Sales à Chambéry pour fêter le 100e anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Joachim Thévenoud, cathédrale où vous-même, Mgr Laurent Ulrich, comme lui, avez été ordonné évêque pour ce diocèse de Chambéry et ceux de Maurienne et de Tarentaise, quelques dizaines d'années plus tard. Nous vous applaudissons puisque maintenant vous êtes à Paris. C'est vous, Mgr Ulrich, que je le rappelais hier à Saint-Hyères-en-Champagne, là où est né et a été baptisé, a vécu Mgr Thévenoud. C'est vous, Mgr Ulrich, qui, avec Mgr Jean-Marie Campaoré, archevêque émérite de Ouagadougou, que nous saluons à distance puisqu'il n'a pu être parmi nous, avait initié et développé les liens entre nos églises sœurs, église, famille de Dieu. Je le disais hier, nos liens sont si forts aujourd'hui que l'histoire de l'église au Burkina Faso, et tout particulièrement avec le diocèse de Ouagadougou, cette histoire où est présent Mgr Thévenoud peut être considérée aussi comme étant celle de notre Église en Savoie. Nous nous sentons profondément impliqués dans la vie de l'Église à Ouagadougou, dans la vie de l'Église au Burkina. Vous confiant à la protection maternelle de Notre-Dame de Yarma, ainsi qu'à l'intercession de Saint-François de Sales, je vous accorde de grand cœur la bénédiction apostolique. François, du Latran, le 8 avril 2022. Le travail, c'est l'activité qui exprime la vie en société et qui appelle toujours la fraternité. C'est donc aussi la fraternité qui se vit à travers notre rassemblement. Le pape François cherche son encyclique Fratelli Tutti en évoquant les religions au service de la fraternité. La fraternité dans le monde, par ses mots, en évoquant aussi le fondement ultime de cette fraternité universelle. Nous croyons, nous pensons que sans une ouverture ouverte pour tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. Nous sommes convaincus que c'est seulement avec cette conscience d'être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous pouvons vivre en paix avec les autres. La troisième fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu ?» Il lui répond « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Sollicitude qui me vaut la présidence
histoire d'un bâtisseur établi et fécond.
que vous pourriez m'expliquer, dans le roman historique, les relations de Joanny avec la chefferie traditionnelle au Burkina, et notamment le, je ne me rappelle plus son nom, le Mouradaba. Alors, c'est vraiment un très vaste sujet, et nous allons nous presser jusqu'à 21h. Cette vie qui est enfin politique va apprendre à jouer sur cette rivalité, parce que la rivalité est entre les trois pouvoirs, et soit par l'intimidation, soit en faisant jouer ses relations, soit en faisant jouer son influence, il va se maintenir vraiment au sein de cette lutte. Vous pouvez nous aider à comprendre quelque chose du mystère de l'incarnation. Voilà, on est en plein temps pascal, mais ça n'empêche pas de parler un peu de Noël. Parce que, comment dire, c'est quoi, enfin, si on veut suivre un peu ce que nous dit aussi Paul VI, c'est quoi le mystère de Christ? C'est un Dieu qui vient entrer en dialogue avec nous. Et l'Église qui se fait dialogue. Voilà, pour reprendre un peu les mots du pape François, sentir l'odeur des brebis. Mais il va vraiment dans cette dynamique-là d'incarnation, Monseigneur Thévenoud, finalement. Et à tel point que, voilà, il vit cette incarnation jusqu'à ce que la langue même de ceux à qui il est envoyé devienne sa propre langue. Alors, chers amis, pour la plupart d'entre nous, nous sommes ensemble depuis hier 9h. Et j'ai l'impression qu'on est bien d'être ensemble. Hein. Et on a même la chaleur de l'Afrique qui est venue dans la salle Joanny Thévenoud. Alors, dans quelques instants, je vous inviterai à avoir un petit rafraîchissement avec la dernière surprise du week-end. Mais il y aura peut-être des surprises encore dans l'avenir. Mais au moins pour ce week-end, nous vous invitons à déguster le cocktail Joanny, dont nous pensons déposer le brevet. Bien sûr, vous n'aurez pas la recette, mais dans les ingrédients que vous pourrez deviner, ce sont des produits de nos deux pays que nous avons associés. Il y a eu de longues séances de travail et d'études, de recherches, de dégustations. Voilà. Il fallait recommencer quelques semaines après parce qu'on ne se rappelait plus du dosage de la semaine d'avant. Voilà. Ça a été très difficile pour l'équipe pilote. Et alors, ils sont en train de préparer le cocktail, mais je voudrais vraiment que vous applaudissiez cette équipe qui a été formidable. Alors, je vais passer le micro à Mgr Ballot, non pas pour conclure ou pour clore ces journées, parce que, si vous rappelez dans la vidéo qui a circulé dans nos diocèses il y a plusieurs semaines, Valérie nous disait... Tout commence le 30 avril 2022. Et je pense que ce week-end fait partie d'une étape et qui nous ouvre à l'avenir. Et donc je vais simplement demander à Mgr Ballot de nous envoyer vers l'avenir. On vient de le dire à travers ce pronom « mais noir ». Et le cardinal Filippo Draugo, la première fois que nous nous sommes rencontrés, il n'était pas encore cardinal, à la télévision de Ouagadougou, me pose la question, et je le raconte dans la préface, le petit livre qui a été fait à cette occasion du centenaire de son ordination épiscopale, depuis combien de temps l'évangile est arrivé en Savoie ? Plus de 1500 ans. Et il me dit, nous vous admirons. Souvent on dit l'inverse aujourd'hui. Nous vous admirons, car vous ne vous découragez pas. Alors je dis à mes frères africains, dans 1400 ans, durez jusque-là, ne vous découragez pas, et peut-être que mes blancs iront jusque là-bas. Merci à toutes et à tous. Je vous invite à rejoindre le réfectoire pour le cocktail Joanny et peut-être Messor, le dernier cri d'acclamation pour Mgr Thévenoud. Merci à toutes et à tous. Oui.